Donc on a parlé du RSL pour les micros d'ambiance, tu utilises ce micro stéréo. Et pour l'accordéon, tu utilises donc nos micros AL21 que t'as eu la gentillesse d'essayer à leur sortie. Mm-hmm. Je les vois souvent dans des vidéos. Alors, c'est une cellule comme tu le sais, une cellule qui encaisse jusqu'à 142 dB. Et toi, tu les as utilisés un petit peu différemment. Voilà. Alors moi, en fait, je les fixe sur ma courroie main gauche, parce que j'ai fait faire des évents en façade sur l'accordéon, alors qu'en général ils sont sur le bord. Ça me permet de projeter plus le son, et surtout de c'est beaucoup plus facile pour placer des micros. En général, les micros se placent ici, il faut tordre un petit peu, et là ça, en plus je trouve ça assez esthétique pour le coup. Et puis voilà, et donc ça marche très bien avec vos flexibles. Voilà, ça bouge pas parce que c'est amorti par tout votre système là d'élastique, on va dire. Et voilà, moi je suis ravi de tout ça. Effectivement, le fait que ça encaisse 140 dB, l'accordéon c'est un instrument qui a une dynamique d'orchestre. On peut jouer des pianissimo et vraiment arriver sur des fortissimo. D'ailleurs, sur une tournée avec Florent Pagny où on était quatre sur scène, il y avait Yvan Cassar, Laurent Verneret et Nicolas Montazzo. Et moi j'étais censé symboliser l'orchestre, donc je passais sur le rôle un peu des cordes, au cuivre. Donc j'avais besoin de vraiment avoir du son. Et le fait de les avoir en proximité comme ça, ça fait tout ce que ça doit faire. Et donc là, avec Roland Romanelli, quand on a fait ces micros-là, avec Ludovic Lanen, toujours, Ludovic Lanen a donc mis au point et sélectionné une cellule qu'il a transformée pour justement qu'elle monte à 142 dB. Et cette cellule est utilisée sur tous nos micros. D'accord. Pour tous les instruments, ça va de la guitare, ukulélé, sax, les percussions, les accordéons, les violons, les contrebasses, mmh. Et les violoncelles. Et donc après, c'est le clamp qui va être différent, c'est l'attache. Et toi, t'as préféré des attaches type sax qui vont parfaitement. Moi, en fait, j'ai jamais aimé coller des choses sur mon instrument, parce que quand je me retrouve en configuration classique acoustique avec un orchestre, j'ai un instrument que je trouve assez joli. Donc, j'aime pas avoir des formes, des choses collées dessus. Surtout, j'ai plusieurs instruments, donc je dois passer d'un instrument à l'autre avec le même set de micros. Et du coup, voilà, j'avais trouvé cette solution de le fixer au courroie, ce qui me permet d'utiliser. Moi, j'ai 9 accordéons, donc du coup, je passe de l'un à l'autre avec le même kit, sans avoir à coller des choses, parce que j'ai des accordéons tout en bois aussi, en cèdre, et donc c'est vrai qu'on arrive sur une formule classique ou même en musique de chambre, ça me fait toujours bizarre d'avoir des anachronismes comme ça. Et donc pour la main droite, eh bien, tu utilises, alors tu l'as pas mis tout de suite parce que tu l'as pris, mais on montrera tout à l'heure, un micro lavalier de Prodec, qui te permet de pouvoir le mettre sur ta grille. Voilà. Et les enregistrements que tu as fait tout à l'heure sont faits avec ce lavalier, qui est un omnidirectionnel, qui donne de l'air, qui donne... Exactement. Là, je crois que tu l'utilises avec Clotilde Courau dans ton nouveau spectacle, là. Alors voilà, parce qu'en théâtre, nous, on a un spectacle très intimiste, très un peu sur un fil comme ça, où Clotilde dit des textes, et moi, je ponctue tout ça en musique. Et l'idée, c'était d'avoir une scène très sobre, très avec peu de choses, quoi. C'est-à-dire, on a deux banquettes piano et c'est tout. Donc l'idée, c'était de pas voir aussi toute la technique. Et on a travaillé avec un ingénieur du son magnifique qui a vraiment fait en sorte qu'il y ait plusieurs relais dans la salle pour qu'on ait l'impression qu'il n'y a pas de son, en fait. Mais par contre, si on éteint le système, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Donc l'idée, c'est que ça soit très acoustique et très discret. Alors moi, je plaçais un omni ici très discrètement, donc il se voit pas, parce qu'en plus il y a une petite bonnette, donc on voit plus rien sur l'accordéon noir. Et après, je suis souvent en chemise, on est tous les deux noirs, et donc j'ai mon petit bracelet ici que j'ai depuis toujours et qui me sert de support pour mon micro omni. Donc ça fait que ma main suit le mouvement. Et du coup, ça sonorise impeccablement le système. Et oui, mais ça, c'est le système D. J'aime beaucoup le système D.